C'est à vous les poissons, c'est parti pour votre taroscope du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde, que vous ne prenez vraiment que ce qui résonne. C'est important de le rappeler. Allez, qu'est-ce qu'on a? Un choix. Alors, vous rentrez dans ce mois mi-poisson avec peut-être de plusieurs choses qui arrivent sur votre chemin et des décisions ou des choix à prendre. Il y a peut-être plusieurs opportunités qui rentrent dans votre vie. Il y a peut-être l'arrivée de nouvelles personnes également. Et ça implique de prendre une décision ou d'avancer dans une direction, les amis. Alors ça peut être relationnel, sentimental, professionnel, projet. Voilà, il y a des choses qui bougent dans votre vie, soit l'arrivée de nouvelles personnes, hein, soit un choix de couple à prendre également, ou alors un choix par rapport à plusieurs chemins qui s'ouvrent à vous. Il y a vraiment cette notion-là. On nous parle de persévérance, de travailler, d'espoir. Donc là, j'ai l'impression peut-être que certaines personnes manquent de patience en rentrant dans ce mois de novembre. Mais on vous dit avec ce tirage que les choses vont s'ouvrir, de continuer à persévérer, d'avoir confiance, d'avoir la foi. À force d'alimenter des choses que vous voulez avoir dans votre vie, à force de planter des graines, les chemins vont s'ouvrir un petit peu quelque part. Hein. Alors que ce soit sur le plan sentimental, amical, pro, on vous demande d'avoir confiance. J'ai vraiment cette notion de chemin qui s'ouvre, de nouvelles opportunités qui arrivent, de voies différentes qui arrivent à vous parce que vous avez continué, vous avez persévéré. Il peut s'agir également, les amis, d'un choix de couple, hein, de choix à prendre au sein d'un couple. Ou de choix à faire au niveau d'un engagement, les amis, qu'on fait à deux, pourquoi pas. On vous dit, si vous avez un choix à faire, de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, de bien regarder ce qui se joue avant de prendre une décision, les amis. Je pense que vous aurez un choix important à prendre à mi-poisson avec des chemins qui s'ouvrent pour vous, mais plusieurs. Alors, je vous dis que ce soit sur un plan sentimental, que ce soit professionnel, que ce soit des projets ou des choses qu'on fait à deux, hein, dans un couple ou dans une relation pro. Voilà, et on vous dit de ne pas perdre espoir. Par contre, si vous avez une décision à prendre, des chemins qui s'ouvrent, de ne rien précipiter, de prendre vraiment de la hauteur pour voir quel chemin vous allez emprunter. Voilà ce qui me vient. En tout cas, on voit que les efforts sont récompensés, on est en train de me dire. Donc ça, c'est plutôt professionnel ou sentimental. Je pense que les efforts sont récompensés, c'est-à-dire que à force de continuer à y croire, à avoir confiance, à alimenter ce que vous voulez avoir dans votre vie, ben là, il va y avoir plusieurs ouvertures d'un coup. Et du coup, un choix important à prendre. Mais je pense que du coup, vous rentrez dans ce mois avec ces énergies-là, mais ce mois-ci va peut-être vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à ça et de bien réfléchir à la suite que vous voulez avoir. Ou de prendre un petit temps de réflexion avant de donner une réponse par rapport à ce choix. Enfin, voilà. Donc, après, il peut s'agir des énergies de quelqu'un qui vit à vos côtés également, qui, à force de travailler, a plusieurs possibilités qui s'ouvrent, plusieurs portes, plusieurs chemins. Et donc, on invite à continuer d'y croire, mais à prendre de la hauteur avant de rendre une décision, les amis. Moi, je pense qu'il y a un choix important. Après, prendre de la hauteur, c'est peut-être vous également qui avez continué à croire, par exemple, en l'amour au niveau sentimental, que vous avez plusieurs personnes qui arrivent ou que vous avez une personne qui arrive et vous avez le choix de passer à une nouvelle étape ou de construire une nouvelle étape de vie. Et là, on vous dit que vous prenez du temps à regardez un petit peu ce qui se joue avant de vous engager, hein, les amis. De nouveaux engagements, hein, arrivent aussi. Alors, il y a eu, peut-être que vous vous méfiez de certaines choses. Je pense que certaines personnes ont peut-être eu des relations difficiles, des projets. Ça n'a jamais été simple avec la carte du 9 de bâton. Du coup, vous êtes dans une énergie peut-être où vous voulez pas vous faire avoir ou vous avancez avec prudence.
Et donc là, voilà, vous vous mettez en mode je réfléchis et je me précipite pas à l'aveugle. Je reste quand même prudent dans mes décisions, dans mes choix. Voilà les amis, hein, tout ce qui me vient avec ce tirage. Et dessus, on avait la 10 de Pentacle. Donc vous allez terminer quand même avec ce mois de novembre, à mi-poisson, avec des décisions qui vont être prises et qui vont être les bonnes. Pour moi, peut-être que certaines personnes réfléchissent aussi au fait de s'associer à d'autres personnes, mais ils vont avec prudence. Ne précipite rien, analyse, regarde, il y a toute cette notion-là autour d'un projet. Hein. Et on voit qu'à la fin du mois, vous prenez les bonnes décisions hein, avec le 10 de Pentacle, c'est-à-dire que la décision que vous allez prendre va être prometteuse ou va vous amener un certain confort ou va vous apporter une stabilité. Il y a tout ça qui se joue, hein, les amis. Moi, pour moi, il y a des nouvelles directions qui arrivent, que ce soit en rencontre ou financière ou professionnelle, que vous allez du coup prendre le temps avant de donner une réponse, que vous êtes quand même en mode « je fais pas n'importe quoi et je reste prudent ». Mais derrière, il y a quand même quelque chose qui arrive à la fin du mois et qui se concrétise, qui se matérialise. Hein. Clairement, avec le 10 d'épée. Après, il peut y avoir un choix dans un engagement à deux. Voilà, sur le plan sentimental, et on prend les bonnes décisions en famille, hein, et ça apporte du confort matériel au niveau de la famille, ou une meilleure stabilité au sein d'un foyer, d'une famille. Hein. Il y a tout ça qui se joue. Hein. Voilà les amis, donc des chemins qui s'ouvrent, des décisions à prendre, des choix de direction, et vous le faites pas de façon précipitée, vous restez prudent et derrière il y a quand même cette notion de prendre les bonnes décisions et d'avoir quelque chose de pérenne et durable où je vous dis d'avoir un retour à une certaine forme de sécurité. Voilà, il y a des bonnes décisions en fait qui sont prises à la fin du mois. Voilà, donc peut-être qu'un choix important arrive en début de mois et que la bonne décision, vous la prendrez en fin de mois. En tout cas, on voit qu'il y a plusieurs choses qui s'ouvrent pour vous, amis poissons, durant ce mois. Vous l'avez demandé, vous l'avez manifesté et en fait, on est en train de vous dire que ça arrive. Voilà les amis, hein. Il y a vraiment cette notion de quelque chose. Alors, soit vous avez l'intuition que ça va arriver et du coup, voilà. Soit on vous dit vraiment que vous l'avez déjà demandé et là, c'est en train de se matérialiser, c'est en train de se manifester, hein, tout simplement. Donc, c'est très positif, hein, tout ça. Hein. Après, il peut s'agir de personnes qui sont seules. Hein, qui ont manifesté quelqu'un dans leur vie sur le plan sentimental et à la fin du mois il y a quelque chose qui se concrétise quand même hein. Voilà donc vous l'adaptez à votre situation parce que toujours pareil j'essaie de balayer tous les sujets que ce soit pro, que ce soit sentimental, que ce soit amical avec l'arrivée de quelqu'un également que ce soit sur le plan du travail avec des projets communs, des choses à faire avant de s'engager ensemble sur le plan pro, enfin voilà, en tout cas il y a quelque chose que vous avez longtemps demandé, on est en train de me dire avec le magicien, et ça se matérialise, ça se concrétise les amis, il y a quelque chose qui se manifeste dans votre vie là. Quelque chose que vous avez voulu, je vais y arriver. Ouais. Il y a eu un combat quand même à mener ou des choses qui ont été compliquées parce qu'avec le 2 de bâton, on voit que c'est conflictuel, c'est difficile. Alors peut-être que certaines personnes ont continué à y croire tout simplement, mais que ça n'a pas toujours été simple. Certaines personnes se sont accrochées aussi dans le fait de vouloir continuer à se battre pour obtenir quelque chose qu'elles espèrent, qu'elles veulent. Il y a cette notion-là, et là, on vous dit que ça arrive tout simplement. Ça va peut-être mettre fin à une période conflictuelle où vous allez vers quelque chose de plus agréable et plus doux, les amis, avec le 6 de coupe, où il y aura un meilleur équilibre aussi dans ce que vous allez avoir par la suite. Voilà, peut-être que certaines personnes, cette décision, cette chose qui arrive et qui va se manifester à la fin du mois, va vous permettre de sortir aussi d'une blessure intérieure que vous avez au niveau de l'enfance ou d'un conflit intérieur que vous portez. Ou ça va vous permettre justement de sortir de cet acharnement, de vouloir absolument réussir et que là, ça y est, enfin, ça arrive, quoi. En tout cas, on nous parle de bonnes nouvelles avec le 6 de coupe, de choses agréables.
de choses peut-être plus équilibrées au niveau des émotions, voilà, et de libération aussi peut-être d'un conflit intérieur, hein, les amis. Ouais, vous reprenez votre position de roi de reine. Vous y voyez peut-être plus clairement aussi par rapport à certaines choses à la fin du mois. Peut-être que momentanément, certaines personnes ont perdu, oui, leur vivacité d'esprit, leur clarté, leur détermination. Et là, ça revient tout simplement. Vous sortez vainqueur aussi peut-être d'un conflit, hein, je vous dis, qui a été long à régler. En tout cas, on voit que bah, là encore, on termine par une carte vraiment géniale, le 10 de Pentacle et le Magicien. Donc, il y a vraiment la manifestation de quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous être apporté tout simplement. Voilà les amis, et que vous allez rien précipiter, mais que les choses, vous prendrez les bonnes décisions et vous reprendrez un petit peu le pouvoir sur votre vie. Voilà ce qui me vient, chers amis poissons. Allez! La foi dans le changement. Mais moi, pour moi, le changement, il est là. Hein. Vous avez des ouvertures là pour vous. Hein. Vous avez de multiples ouvertures puisqu'il va falloir du temps pour prendre une décision et que vous n'allez rien précipiter. Et des solutions, les amis. Bon, ben voilà. Je pense que certaines personnes ont continué à garder la foi, à y croire. Hein. Se sont accrochées au fait à leur pouvoir créateur, au fait de se créer des choses. Et que là, clairement, ça arrive tout simplement. C'est beau, il y a du changement, il y a des ouvertures, il y a des solutions, il y a des choses clairement qui se manifestent dans votre vie et c'est juste plutôt sympa ces énergies. Allez, et ça se termine de façon positive hein, puisque vous matérialisez quelque chose d'important. Allez, qu'est-ce qu'on a pour terminer ce tirage? Ton ange gardien veille sur toi. Eh bien, c'est plutôt pas mal parce que vous avez aussi autour de vous toute la protection de l'univers. Tout cet univers qui conspire à vous apporter du mieux, à écouter vos demandes et à essayer de vous aider à les manifester. Et là, j'ai vraiment le ressenti qu'on vous dit que vous n'êtes pas seul et que votre ange gardien est là pour vous aider justement dans cette manifestation qui arrive très prochainement. Voilà, chers amis poissons, je vous souhaite une excellente journée. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour un nouveau taroscope. Bye bye!